Tout grand merci de vous être déplacé aujourd'hui. Nous vous savons tous très occupés, nous apprécions vraiment votre présence. Je m'appelle Valérie Faucon, je serai la modératrice aujourd'hui. Je fais partie de la FRAP, je suis donc membre du conseil d'administration de la francophonie Albertaine-Pluriel. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, parfait. Donc je fais partie du conseil d'administration de la FRAP. Et cette session va se présenter comme suit. Je vais donc vous présenter les deux personnes ici à ma gauche, qui sont le président et le vice-président de la FRAP. Et ensuite, donc, je vais évoquer une biographie. Et ensuite, M. Victor Moquet va nous faire un bref historique de la FRAP. Le président prendra ensuite la parole. Et puis, nous aurons une session de questions-réponses pour ensuite se poursuivre par un rafraîchissement, juste là derrière vous. Donc, voilà. Je vais commencer par la biographie de M. Victor Moquet, qui est là-bas à gauche. Originaire de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, Victor est arrivé au Canada, à Montréal, plus exactement en 1998, où il a vécu pendant une année avant de déménager en Alberta en 1999. Victor a exercé la profession d'enseignant en Afrique pendant 17 ans. Son souhait était donc de réintégrer ce domaine d'activité ici à Edmonton, raison pour laquelle Victor a entrepris un bac en éducation au campus Saint-Jean, bac qu'il a obtenu en 2002. Victor a ensuite complété une maîtrise en éducation à l'Université de l'Alberta en 2005. Le thème de sa thèse portait sur l'intégration des jeunes de familles immigrantes francophones dans les écoles francophones à Edmonton. Pendant cette même période, Victor a travaillé comme animateur éducatif et culturel auprès des jeunes issus de familles immigrantes francophones, et ce, avec l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society, la JFAS. Victor a participé à bien d'autres initiatives communautaires, dont la réalisation en 2006 d'un film documentaire sur l'intégration des immigrants francophones d'origines africaines dans les communautés francophones de l'Ouest canadien. Victor est membre fondateur de la FRAP et vice-président de celle-ci. En ce jour, Victor travaille comme agent de prestation à Service Canada. Monsieur Alphonse Den Aola. Alphonse est présentement inscrit en cycle de doctorat à l'Université de l'Alberta. Il est titulaire d'une maîtrise en anthropologie visuelle de l'Université de Tromsø en Norvège et d'une maîtrise de sociologie obtenue au Cameroun dont il est originaire. Alphonse achève dans quelques jours son mandat de vice-président des étudiants de deuxième et troisième cycle de l'Université de l'Alberta. Il est également secrétaire général de l'Association des Camerounais à Edmonton. Alphonse a été élu le 16 janvier dernier président du conseil d'administration de la francophonie albertaine plurielle, FRAP. Alphonse est marié et père de 3 enfants. Je vais dès lors donner la parole à Victor qui va donc nous faire un bref historique de la FRAP. Bonjour à tout le monde. En fait, l'historique, pour ceux qui étaient ici depuis le début, savent que la FRAP est un mouvement qui est né d'une pétition que des parents avaient lancée pour obtenir plus de personnel d'origine d'immigrants dans les écoles francophones. Non seulement au sein des écoles, dans les écoles, mais aussi à l'administration centrale. Alors, le mouvement est parti de là et a créé la FRAP, Francophonie Albertaine Plurielle, parce que nous avons pensé qu'il fallait élargir le débat pour une francophonie plus inclusive, que nous estimons aussi plus dynamique. La FRAP a été incorporée en 2014, l'année de sa naissance. Ensuite, il y a un nouveau comité qui a été élu cette année, au mois de janvier. Alors, c'est ce comité-là dont je suis le président, et Alphonse est le vice-président. La FRAP a participé au comité ad hoc qui avait été mis en place par le conseil scolaire du Centre-Nord pour
faire face à la question qui avait été posée dans la pétition. Alors, ça fait 2 ans que la FRAP existe, et pour ceux qui ont suivi le parcours de cette organisation, il n'y a peut-être pas grand-chose qui a été fait pour le moment, mais le fait que nous soyons présents et que nous sommes là montre notre volonté de continuer ce travail avec vous. Merci. Mesdames et messieurs, mes chers amis de la francophonie, bonjour. L'association Francophonie Albertaine Plurielle est l'instrument de convergence des intérêts de tous les francophones. Nous en appelons à réinventer la francophonie en Alberta, de sorte que tous les francophones, peu importe leur origine, se sentent à l'aise d'y évoluer. Nous voulons faciliter l'inclusion, la représentativité dans tous les secteurs d'activité et rapprocher les communautés. Les problématiques qui nous interpellent en tant que Canadiens francophones en Alberta sont nombreuses et urgentes. Quoique le français soit la langue que nous partageons ensemble, nous restons profondément divisés entre communautés et le manque de cohésion s'observe même à l'intérieur des communautés. D'un côté, nous avons les communautés culturelles issues de l'immigration qui ont tendance à se regrouper socialement sur le plan ethnique et entretenir et perpétuer les conflits hérités de leur pays d'origine. De l'autre côté, nous avons la communauté dite d'accueil qui se montre réticente au projet de construire une nouvelle communauté plurielle et inclusive. De fait, illustre ce dilemme de la francophonie. D'abord, l'opposition au changement de nom que nous avons noté, par exemple, quand nous discutions dans le cadre des congrès de l'ACFA et la levée de boucliers à laquelle la FRAP a dû faire face en 2014 et 2015 quand elle a dénoncé la disparité significative entre la diversité des élèves et le manque de diversité dans les personnels enseignants et administratifs dans les écoles francophones. Ces faits montrent bien que le changement ici aussi est difficile. Eh bien, que faut-il faire quand ceux qui ont la mission d'accueillir refusent de le faire? Et ceux qui sont susceptibles d'être accueillis restent cloîtrés dans leur propre groupe ethnique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Tels sont aujourd'hui les défis de la francophonie albertaine. Et c'est pourquoi, c'est pour y faire face que la FRAP existe. La situation aujourd'hui est telle que certains francophones refusent de s'identifier comme francophones et pensent que les opportunités dans le monde francophone sont non seulement réduites, mais surtout inaccessibles. Dans les années 80 et 90, après la Charte des droits et libertés et la lutte pour l'interprétation de son article 23 notamment, le capital symbolique de la francophonie était remarquable. Aujourd'hui, le capital s'est effrité parce qu'en tant que francophones, nous nous montrons incapable de nous adapter à la nouvelle donne. Inclure les communautés immigrantes ne signifie pas tourner le dos au passé. La continuité historique est essentielle et devrait être préservée. Il ne s'agit donc pas de renoncer au passé, mais de s'ouvrir aux autres cultures et de reconnaître que chacun de nous devra y laisser quelque chose pour en gagner plus. La francophonie albertaine a un potentiel remarquable. Toutes les communautés doivent travailler ensemble pour promouvoir le français, c'est vrai, mais aussi ceux qui parlent français, indépendamment de leur origine. La FRAP, à travers son plan d'action et sa nouvelle approche des problèmes,
voudrait se doter des moyens nécessaires pour créer une telle dynamique et travailler en étroite collaboration avec les organismes en place pour faire avancer le projet de construire la nouvelle communauté francophone inclusive et plurielle à laquelle nous sommes tous appelés. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, y aurait-il des questions dans l'Assemblée pour le Président ou pour Victor? Mon nom c'est Lucas Dampinou, membre de la communauté. Quand j'ai lu ce petit papier que j'ai, alors je vois pour une francophonie plurielle, dynamique et inclusive, mais ce qui me frappe surtout, c'est une communauté francophone renouvelée. Aujourd'hui, vous êtes président de la FRAP. Comment pouvez-vous nous expliquer ce renouvellement de la FRAP? Merci beaucoup. Vous touchez là l'un des aspects les plus importants. Et je suis heureux que vous fassiez allusion à cela parce qu'en réalité, il s'agit d'avoir une communauté francophone renouvelée parce que la communauté telle qu'elle se porte actuellement est une communauté qui certes vit et qui certes est en activité, mais vous savez que le principe, c'est que si réellement nous voulons assurer notre avenir, nous devons toujours être prêts à intégrer de nouveaux changements. Nous devons être prêts à intégrer les nouvelles personnes qui arrivent. Nous devons être prêts à intégrer d'autres types de cultures. Nous devons être prêts à abandonner un peu de ce que nous avons pour pouvoir céder, ouvrir la place à ceux qui viennent. C'est ça pour nous le sens d'être renouvelé, c'est-à-dire être à mesure de se transformer constamment en fonction des circonstances. Vous avez, je n'ai pas eu le temps de le relever dans mon discours parce que c'était qu'un discours d'introduction, mais vous savez fort bien que la population francophone, par exemple, a beaucoup changé depuis ces dernières années, notamment la dernière décennie. Mais est-ce que vous pensez en même temps qu'il y a eu des ajustements nécessaires? Non, nous ne pensons pas. Nous pensons que ces ajustements sont à faire. C'est dans ce sens-là que nous parlons d'une francophonie renouvelée. Bonjour, je m'appelle Diki Dikomba, membre de la communauté. J'aimerais bien poser une question peut-être à vous deux. En nous avançant un peu l'historique de la FRAP, et son historique part d'une pétition qui a été lancée il y a de cela 2 ans. Pensez-vous jusqu'à ce jour qu'il y ait une amélioration dans ce qu'a été l'origine de cette pétition? Et aussi, aujourd'hui, on sait qu'il y a une nouvelle direction au conseil scolaire. Avez-vous déjà eu une première approche avec la nouvelle direction et comment vous accueillez cette nouvelle? Ok. Merci. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes sans ignorer que nous avions à l'époque un comité ad hoc qui a travaillé dans le sens d'apporter des solutions allant dans une plus grande inclusivité dans le recrutement, notamment des personnels du conseil scolaire Centre-Noir. Je dois vous dire que le comité ne s'est pas achevé dans de bonnes conditions parce que les non-membres qui siégeaient dans le comité se sont rendus compte que la conversation avec le conseil scolaire Centre-Noir était difficile parce que non seulement le conseil scolaire Centre-Noir était complètement calé sur ses positions, mais malheureusement, il y avait un mépris, pour dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait en réalité une démarche irrespectueuse des membres de cette commission qui venaient de notre association et d'autres associations aussi. Il a fallu quitter une telle table de travail parce que la conversation n'était pas possible. Mais maintenant, vous me demandez s'il y a eu quelques améliorations. Je voudrais, vous êtes certainement au courant que le conseil scolaire, à l'issue de notre action, a fait quelques recrutements. Et nous nous félicitons de ces recrutements parce que c'est toujours bien que quelqu'un soit recruté. Mais il faut bien comprendre que notre problème
n'est pas de faire recruter X ou Y, mais c'est de créer les conditions pour que quel que soit celui qui est recruté, que ces conditions soient justes et honnêtes. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant, qui est recruté là-dedans, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse au premier plan. C'est comment, quelles sont les conditions, est-ce que les conditions sont créées pour que ce recrutement-là se fasse de façon égalitaire de façon juste. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc il y a eu des améliorations, mais honnêtement, nous pensons que les actions qui ont été prises sont vraiment loin de pouvoir résoudre les problèmes qui existent. C'est pour ça que nous avons, dans la lettre de félicitations que nous avons envoyée au nouveau directeur, M. Robert Lessard, que nous attendons impatiemment, nous lui avons demandé de nous recevoir pour continuer à discuter avec lui sur ces questions-là. Parce qu'en réalité, rien n'a été résolu, pour vous dire la vérité. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus. Et nous espérons que M. Lessard sera suffisamment ouvert pour que nous puissions discuter de ces problématiques. Bonjour monsieur, mon nom est Valécia, je suis journaliste pour Atta TV. En fait, je dois dire merci beaucoup d'être présent, merci beaucoup d'avoir pris le relais, de continuer vraiment ce beau mouvement-là, on a besoin de vous. Ma question concerne vraiment le fait, oui, ok, on est conscient que dans les écoles, les gens de minorité sont pas vus assez, ne sont pas assez engagés, ne sont pas assez pris en considération. Mais vous avez quand même parlé du fait que la solution à tout ça serait que la communauté francophone se transforme, oui, que tout le monde travaille ensemble, oui, mais comment planifiez-vous mettre ça en œuvre? Comment planifiez-vous faire en sorte que les communautés vraiment deviennent qu'un, finalement? OK. Merci beaucoup. Vous me donnez là l'occasion d'aborder l'un des aspects importants de la nouveauté que nous voulons apporter. D'abord, une chose est certaine, nous n'attribuons pas tous nos malheurs aux autres. Ça, c'est la principale démarche de la FRA. Nous ne croyons pas que tous les problèmes que les communautés immigrantes ont viennent des autres. Nous croyons que les communautés immigrantes elles-mêmes sont en grande partie prenantes des problèmes qu'elles ont. Et c'est pour ça qu'au début de mon discours, j'ai souligné ce problème de l'enfermement dans des cadres ethniques et la reproduction des conflits qui ne sont pas nécessaires. Donc, notre première démarche consistera d'abord à travailler avec les communautés elles-mêmes sur les problèmes qu'elles ont. Nous commençons par faire ce que je pourrais appeler un autodiagnostic communautaire. En tant que communauté, quels sont nos problèmes ? Et quelles sont les limites que nous-mêmes nous créons, les barrières que nous-mêmes nous créons? Et comment est-ce que nous pouvons surmonter ces barrières-là? Donc nous allons mobiliser les communautés pour les aider, pour nous aider, si vous voulez, à surmonter ces barrières. Donc nous irons vers les autres, évidemment, parce qu'ils ont aussi une part de responsabilité là-dedans. Mais nous n'ayons pas nos propres responsabilités. Travaillons sur nous, et puis allons vers les autres et discutons de ce qui a lieu de faire. Donc, je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas seulement de dire renouveler, mais il faut changer la façon de faire. Et l'autre chose, c'est que vous avez remarqué que la démarche qui a souvent été faite, c'est d'appeler ces communautés à venir vers nous pour participer aux activités que nous organisons. Mais nous pensons que le contraire doit se faire maintenant. Nous allons tous sortir de ces salles et nous irons maintenant dans les communautés, participer aux activités de ces communautés et discuter avec elles là-bas. Ça, ce sont des choses que nous pensons importantes à introduire dans la nouvelle démarche que nous devons avoir pour mobiliser les communautés. Merci. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Landry Gontalé. Je suis de la communauté béninoise. Alors, moi, je suis nouveau en Alberta. Je suis là, ça fait exactement 8 mois. Donc, je veux dire, c'est la première fois que j'entends parler réellement de la frappe. Alors, pour un novice que je suis, je voudrais vous poser la question de savoir, depuis la création, quelles sont les actions que vous avez menées jusque-là? Ça abonde dans le même sens que la précédente question, oui. Parce que si nous ne savons pas les actions que vous avez menées jusque-là, oui. En tant que participant ce matin, on ne pourrait pas vous apporter aussi notre pierre de contribution. Tout à fait.
Donc, il est important d'abord que nous sachions, en tout cas moi qui suis novice, savoir quelles sont les actions qui ont été menées juste là pour rapprocher les communautés les unes des autres et pour créer cette unification dont vous parliez tout à l'heure. Okay. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup. D'abord, il y a une chose qui est importante. Quand vous vivez dans un contexte, il faut avoir la capacité d'identifier les problèmes qui existent et prendre les actions nécessaires pour résoudre ces problèmes. La FRAP, comme on vous l'a dit tout à l'heure, est née simplement du constat qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose, il fallait mettre des actions en route pour résoudre ces problèmes des communautés. Donc la première chose qui a été faite, en réalité, ça a commencé par quelques réunions. Nous avons réuni les gens et nous leur avons dit, est-ce que ce problème que nous identifions est réel? Notamment, c'est le problème qu'a soulevé Victor tout à l'heure, le problème de la non-représentativité des communautés issues de la nouvelle immigration dans les écoles francophones. Et les parents nous ont confirmé que cela était vrai. La prochaine activité que nous avons faite, c'était de mobiliser les parents autour de cette problématique pour voir comment cela pouvait être résolu. Et c'est pour ça que nous avons fait des pétitions. À l'époque, vous n'étiez pas encore là, mais il y a une pétition qui a circulé et elle a rassemblé plus de 500 signatures en quelques jours. Et à partir de ce moment-là, le Conseil scolaire Centre-Nord a compris que, parce qu'avant cela, il faut vous dire la vérité, nous avons tenté de discuter avec eux, mais nous n'avons jamais eu de suite. Nous n'avons pas été reçus. Et c'est après cette pétition que le conseil scolaire a donc senti la nécessité de faire quelque chose. Les médias s'y sont mis, et j'en profite pour remercier CBC et les autres médias qui s'y sont mis, qui nous ont aidés à faire connaître la problématique. Et finalement, le conseil scolaire a donc accepté de créer un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc était chargé de réfléchir sur les possibilités d'un fonctionnement plus inclusif du conseil scolaire Centre-Nord. Et je viens de vous dire, le comité ad hoc ne nous a pas donné satisfaction. Quelques mesures ont été prises. Certaines personnes liées à la nouvelle immigration ont été recrutées ici et là. Ce que nous pouvons mettre à notre crédit, même si nous n'étions pas associés aux critères de sélection, mais c'est quand nous avons fait tout ce mouvement que ces gens ont été finalement recrutés. Alors, il y a d'autres mouvements qui ont été faits dans le microscope francophone, et après un certain temps, nous avons décidé de renouveler le conseil d'administration de la FRAP. Et en janvier dernier, nous avons été élus. Mais quand nous avons été élus, il y a un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Nous nous sommes dit, en tant que conseil d'administration, nous n'allons pas directement nous jeter dans l'arène. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons nous asseoir. Nous allons réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter pour continuer à poser les problèmes des communautés. Nous allons identifier les personnes avec lesquelles nous pouvons travailler dans ce processus, et nous allons nous préparer en nous formant nous-mêmes et en recrutant un spécialiste qui va nous aider à élaborer une planification stratégique. Nous avons fait tout cela et aujourd'hui nous avons une planification stratégique bien élaborée qui est vivante en principe et qui peut être toujours modifiée. Et c'est pour ça que ce matin nous vous avons invité, parce que nous avons pensé que à ce stade-ci maintenant, nous pouvons commencer à échanger avec vous une conversation raisonnable. Il aurait été regrettable que vous veniez ici et que nous n'aurions rien à vous dire. Donc nous nous sommes préparés en tout temps. Et maintenant, je pense, je ne suis pas prophète, mais je vous assure que maintenant, vous allez certainement voir des choses se faire très rapidement et de façon particulièrement la façon dont nous le souhaitons. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui est de votre question, et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais globalement, voilà ce qui a été fait jusqu'ici. Et je voudrais juste ajouter, entre-temps, nous avons consulté un certain nombre de personnes, nous sommes allés dans les communautés, j'ai justement rendez-vous probable dans quelques temps avec la communauté guinéenne,
Nous sommes passés dans les communautés, nous avons rencontré les communautés, nous avons discuté avec les communautés, nous continuons à le faire parce que ça prend du temps, il y a beaucoup de communautés, mais c'est un aspect important que nous suivons, discuter avec les communautés, avoir le feedback des communautés avant de faire quoi que ce soit. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Arsène Mwamba. J'ai une petite question pour vous, Monsieur le Président. Je voulais tout simplement savoir, à part le Conseil scolaire Centre-Nord, avez-vous eu des contacts avec d'autres conseils scolaires francophones à travers l'Alberta? Oui, lequel et puis à quel niveau sont vos discussions? Bon, nous avons, merci beaucoup, nous avons élaboré un plan d'action dans lequel nous avons intégré, par exemple, Calgary. Et nous sommes à une étape où nous ne sommes pas encore arrivés à Calgary, mais c'est bien dans notre programme. Nous allons arriver à Calgary. À un moment donné de l'évolution des choses, vous serez informés des actions globales que nous allons prendre, qui vont probablement intégrer à la fois Edmonton, à la fois les conseils à Edmonton et les conseils à Calgary. Donc, vous serez informé de ça. Pour le moment, vous me permettez de ne pas entrer dans tous les détails, mais effectivement, nous avons Calgary au programme et il faut prendre le temps de le faire. Nous ne voulons vraiment pas nous précipiter. Nous souhaiterons faire les choses de façon organisée. Mais cela est au programme et vous serez tenu informé. Monsieur, je suis heureux de voir que la vie continue et qu'on ne peut pas éteindre la mèche qui fume, puisqu'un jour vous en aurez besoin pour faire du feu. Et je vois que la mèche continue à fumer, sauf que je vous invite à savoir que tous les discours humains ont peu de résultats si on ne se bat pas pour avoir des principes juridiques qui protègent ou qui peuvent protéger les discours ou les intentions que nous avons. Donc j'invite la FRAP à faire en sorte que les intentions que nous avons, les objectifs que vous poursuivez, ne soient pas au niveau des intentions ou au niveau même des rencontres ou au niveau même des secteurs qui semble être au centre de vos activités actuellement, mais que vous puissiez vous battre dans une province unilingue anglophone, les cibles ou la cible ne peut pas seulement être des francophones, mais vous devez avoir une vision plus globale pour laisser nos traces, faire le contraire d'autres francophones qui sont arrivés ici à Valou. Vous devez donc prendre position des deux côtés. Voilà les souhaits que je vous partage. La lutte ne doit pas être ciblée vers un groupe quelconque ou un organisme quelconque, mais vous devez vous afficher pour laisser vos propres traces et apporter quelque chose à cette francophonie qui nous appartient. Voilà, merci. Merci beaucoup. La FRAP, le maître mot de la FRAP, avant que tu partes, s'il te plaît, le maître mot de la FRAP, c'est l'inclusivité. Et la FRAP ne va pas commencer à exclure les communautés, alors qu'elle-même parle d'inclusivité. Donc, la FRAP est une association pour toutes les communautés, indépendamment de leur origine. La FRAP n'est pas une association pour les Africains. La FRAP n'est pas une association pour les Canadiens albertains ou pour les Français albertains. Mais la FRAP est une association pour tous ces groupes et même pour les francophiles. Parce que dans nos statuts, nous avons une possibilité de travailler avec ceux qui aiment le français et qui s'intéressent aux populations francophones. Nous sommes aussi ouverts à ces populations-là. Donc, notre démarche est une démarche inclusive, ouverte, et il n'est pas question pour nous, et vous faites bien de le relever. Parce que vous savez, quand j'ai été élu, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire que la FRAP, à leur avis, n'était intéressée qu'à certains groupes de population de la francophonie.
Je saisis cette occasion pour dire que ce n'est pas vrai. Ce que nous voulons faire, nous le ferons pour tous les groupes qui sont disposés à travailler avec nous. Évidemment, si un groupe ne souhaite pas travailler avec nous, nous ne pourrions forcer aucun groupe de travailler avec nous, mais nous sommes ouverts à tout le monde. Et l'ouverture se fait en Afrique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique elle-même est composée de plusieurs populations différentes, dont les communautés sont à Edmonton. Donc nous sommes en collaboration avec ces communautés, et nous sommes aussi en collaboration avec les communautés historiques qui sont ici depuis la nuit des temps. La frappe est pour tout le monde, et ça, ça doit rester ainsi. Et j'espère que ce sera toujours comme ça. Donc merci pour votre commentaire. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente Ibrahim Garidio, membre de la communauté, membre de plusieurs communautés en fait. Je voudrais vous remercier en fait tous d'être ici et merci beaucoup de votre temps et votre bel exposé. Ce n'est pas une question que j'ai, mais c'est vous donner une opportunité d'expliquer plutôt votre stratégie et vos rapports avec la communauté d'accueil. Comme on le sait, il y a plusieurs associations de la communauté d'accueil, donc je ne pourrai pas tous les citer ici, mais il y en a des associations. Peut-être que vous pourrez nous expliquer un peu si vous avez une stratégie, une approche pour travailler avec ces associations et ces communautés, oui. Et comment vous faire... vous comptez travailler avec ces associations. Oui, nous n'avons pas la prétention de venir pour résoudre tous les problèmes qui existent. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres associations qui existent déjà ici. Il y a d'autres organisations qui existent au sein de la francophonie et qui font un très bon travail. Seulement, il y a tellement de choses à faire que 1, 2, 3, 4, voire 10 associations ne suffisent pas. Une association comme la FRAP arrive à bon point parce que justement, il y a quelque chose que la FRAP peut faire pour contribuer à cette dynamique générale qui consiste à résoudre les problèmes que nous avons. Donc, nos textes nous ont donné une possibilité de collaborer avec les autres organisations. Et nous avons commencé. Je ne vais pas citer nommément les organisations, mais nous avons déjà des responsables qui sont assis ici de certaines organisations avec lesquelles nous sommes en collaboration. Nous avons commencé à travailler ensemble et nous voulons travailler avec toutes les associations, notamment avec les associations qui sont des acteurs historiques dans ce contexte. Suivez mon regard. Il s'agit de l'ACFA pour ne pas nommer les contemporains. Nous voulons travailler avec ces associations-là parce que nous pensons que ce sont des associations historiques qui ont pignon sur eux, qui ont fait un travail extraordinaire. Mais toutefois, il y a des choses que malheureusement tout le monde ne peut pas résoudre. Et nous, en tant que FRAP, notre démarche maintenant, c'est de pouvoir créer une synergie qui va permettre que toutes ces organisations francophones travaillent ensemble pour notre bien. Parce que comme je l'ai dit dans mon discours introductif, la francophonie a un grand potentiel. Mais si nous nous mangeons mutuellement le nez, les gens ont l'impression que la francophonie ne fonctionne pas. Et les gens commencent à douter de la francophonie. Certains arrivent ici, au lieu de se dire francophone, quand ils regardent autour d'eux, ils se disent ça n'a pas, il n'y a pas grand intérêt à ce que je me fasse reconnaître comme francophone. Nous voulons, à terme, que les gens soient fiers de dire qu'ils sont francophones et qu'ils veulent vivre en français dans cette province. Ma question, c'est de savoir, je m'appelle René Albertini, c'est de savoir un peu quelle est la cohésion entre vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les membres de FRAP au niveau de l'administration, au niveau du conseil d'administration, les anciens, les nouveaux, comment se porte, quelle est la santé des membres de FRAP à l'interne? Est-ce que la relation est bonne et tout se passe bien? Parce qu'on avait quand même eu des bruits que ça bouillonnait un peu. Où est-ce que vous en êtes maintenant? La vérité, c'est que la FRAP est vivante. Et comme toute organisation vivante, des gens discutent. Et croyez-moi, nous discutons au sein de la FRAP. Nous discutons beaucoup parce que les problématiques qui nous interpellent sont importantes. Mais nous ne nous séparons jamais.
C'est pour ça que vous voyez la frappe à de nouveaux visages, mais la frappe a aussi des anciens visages. Suivez mon regard. Et qui sont assis ici. La présidente de la frappe, Jeanne, qui m'a envoyé un message avant que je vienne, n'a pas pu être là ce matin parce qu'elle travaille hors de la ville, malheureusement. Et notre heure de midi, 13h, est extrêmement difficile pour ceux qui travaillent hors de la ville, sinon cette salle serait pleine. Donc ne vous inquiétez pas pour de ce côté-là. La frappe se porte très bien et son conseil d'administration se porte vraiment comme un chat. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout va bien et nous espérons que cette synergie va nous permettre de mettre en œuvre des choses pour l'intérêt des communautés. Merci. Je voudrais vous inviter à devenir membre de la FRAP. Donc je voudrais vraiment vous inciter tous à nous rejoindre. Pour ce faire, nous avons Franck ici qui est présent pour prendre les inscriptions aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, veuillez contacter un membre de la FRAP. Mais vraiment, il serait important de nous rejoindre. On compte vraiment sur votre participation. Merci. Et nous avons quelques petits rafraîchissements là, juste derrière. Donc, je vous y invite directement. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en conférence de presse pour l'association FRAP qui revient en force. Alors, bonjour, Victor. Comment ça va? Moi, ça va. Donc, Victor, vous êtes président de la FRAP depuis combien de temps? Vice-président de la FRAP depuis combien de temps maintenant? Depuis janvier, depuis les dernières élections. Bien, en fait, félicitations. Pour ma part, je pense que c'est vraiment un bon mouvement, ce que vous faites, on a besoin de vous dans cette communauté. C'est quoi la différence? Parce que nous, on s'est déjà rencontrés l'année dernière, discuté de tout ça. Je crois que c'était le lancement de la FRAP. Oui, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous parler de la différence des projets que vous avez fait la dernière fois que nous sommes parlé? Nous avons un nouveau comité qui a été élu au mois de janvier et nous avons suivi une formation stratégique pour mettre en place un plan stratégique. Alors c'est ce plan stratégique que nous avons maintenant, que nous n'avions pas avant. Et c'est sur ce plan stratégique que nous allons travailler maintenant. C'est bien. Donc finalement, vous avez une route à suivre maintenant. Exactement. Nous avons maintenant une route à suivre. En même temps, nous essayons de penser aux activités qui soient d'intérêt. Nous sommes, par exemple, nous avons pensé que toutes choses comme des actions que nous voulons. Comment est-ce que tout le français, nous pouvons amener tout le monde à ça? Nous, on peut suivre de toute façon dans nos démarches. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? En même temps, quand nous venons à l'adhérent, nous avons tous. Mais je voudrais simplement ajouter que nous allons revenir sur les dossiers scolaires. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fermé. Nous allons revenir là-dessus. Nous comptons rencontrer le nouveau directeur général, le centre Nord, et commencer une conversation avec lui pour revenir sur la question oui, problématique que nous avions posée, oui. La question de l'intégration professionnelle au sein du conseil scolaire. Les minorités visibles. Les minorités visibles. Et nous travaillons puis, aussi conscientiser les personnes issues de la nouvelle immigration. Parce que si qu'ils soient plus fiers d'être francophones, mais aussi plus conscients de leur identité francophone. Mais plus participative aussi. C'est un peu dans ces sens, ce sont les actes sur lesquels nous comptons mener notre action pour ces deux prochaines années. Ok. Merci bien, je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup. Et puis bonne chance dans vos démarches. Merci. Donc nous travaillons facilement. Alphonse est maintenant avec nous, c'est le nouveau président de la FRAP. Je suis très enchantée de vous rencontrer. Bonjour Alphonse. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Et comment voyez-vous votre nouveau mandat? Êtes-vous dynamique? Êtes-vous prêt à foncer dans toutes ces nouvelles, comment je pourrais dire, tous ces nouveaux défis? Oui, pour ne rien vous cacher, je me sens particulièrement privilégié de pouvoir être position d'assumer ces responsabilités que les communautés m'ont confiées en me demandant d'être président de la francophonie albertaine plurielle. Parce qu'il faut dire la vérité, les communautés comptent beaucoup sur la francophonie albertaine plurielle.
elle y compte et c'est une grosse responsabilité. Donc en même temps que je me sens tout à fait disponible pour assumer ces responsabilités, je mesure l'importance de ça. Et vous savez que quand on met sur vous beaucoup d'espoir, pour que il n'est pas souvent rare que les gens soient déçus parce qu'ils ont eu des espoirs démesurés. Mais au moins dans notre démarche, c'est que nous, ce dont nous pouvons assurer tous les autres, c'est que nous ferons tout ce que nous pouvons pour assurer les intérêts. Et l'un de nos principes que nous nous sommes donnés, c'est le principe de l'intégrité et de la ténacité. Nous resterons intègres et nous serons tenaces et nous espérons faire le travail qui nous a été confié. Absolument. Et puis j'ai bien aimé, durant la conférence de presse, lorsque vous avez mentionné le fait que souvent, pour régler un problème, on va énumérer les problèmes, justement. Bon, comme là, ici, ce qui se présentait, c'est que, bon, les gens, on n'est pas assez, on ne fait pas qu'un, on n'est pas assez unis, l'intégration se fait mal. Mais on attendait que les gens se joignent, finalement, à nous, à vous, plutôt. Mais le fait que vous décidez de sortir de chez vous, et vraiment d'aller voir les autres communautés, d'aller leur dire, écoutez, venez avec nous, on va devenir qu'un, puis on va avancer ensemble dans cette francophonie-là, ça m'a vraiment, en fait, c'est vraiment bien, je trouve, pour notre communauté, que vous soyez prêts, justement, à travailler fort, puis à sortir des sentiers battus. Oui, oui, je pense que l'un des atouts que la FRAP apporte dans la grande communauté francophone, c'est cette sensibilité qui fait que la FRAP peut aisément atteindre un certain nombre, tous les groupes, discuter avec ces groupes-là et identifier les problèmes avec ces groupes. Et non tout simplement être dans un bureau, imaginer des problèmes et espérer que les groupes vont se joindre. Oui, c'est ça. Donc il faut sortir, il faut aller dans la rue, il faut se mouiller, il faut aller dans les réunions des gens, il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux. Nous pensons que c'est comme ça que nous allons certainement pouvoir les mobiliser. En tout cas, ce sont des stratégies de mobilisation que nous mettons en œuvre et nous pensons que ça devrait marcher. Alors, merci beaucoup, on va vous suivre et puis vraiment bonne chance dans toutes vos démarches. Merci bien, merci pour cette interview. Merci pour votre soutien. Excellent, merci.